Good morgen, allez, Yidan et les Tutres aujourd'hui, le Lunich Shmat, Dov Ben Yehudit et Eviatar Amram Ben Chedva. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechet Shabbat, Perek Gimel Mishnah Vav. En notnin klit achataner la kabel boet hachemen. Ve im netano mi beod yom mutar. Ve en neotin mi menu le fichéno mina mouchan. Metaltelin ner chadash aval lo yashan. Rabbi Shimon Omer, Kol Anerot Metaltelin, Chutz Minaner Adolek Beshabbat. Notre Ninklit Achataner Lekabel Nitzotzot, Veloiten le Tochomaim, Mipene Sheou Mechabe. Mishnah relativement simple dans les halachot qui sont explicitées, cependant, elle nous impose d'introduire une notion essentielle aux lois du Shabbat, l'interdit de Mukhtse, qui se retrouve dans Maser Shabbat dans deux endroits, ici, dans la Mishnah, c'est une petite Mishnah. Dans la Gemara, il y a déjà peut-être 4-5 d'Apim qui parlent longuement déjà de Mukhtse. Les Gemara sont assez complexes. Il y a ensuite, il va y avoir plus loin dans Shabbat, un chapitre. On en reparlera beaucoup plus longuement. Il y a aussi dans Masechet Beitza, ça revient de nouveau. Et on va introduire rapidement le principe de Mukhtse. L'interdit de Mukhtse, c'est en deux mots. Chachamim ont défendu à Shabbat d'utiliser, de déplacer tout objet qui n'est pas inclus dans l'ensemble naturel des objets que tu es censé utiliser. On va prendre un exemple concret. À Shabbat, bon, j'ai le droit de manger. Donc, tous les ustensiles qui sont en rapport avec le fait de manger sont permis, je peux les déplacer comme je veux. Par contre, Shabbat, j'ai pas le droit de construire. Donc, un marteau, c'est censé construire sur la fonction Cliché Melarto le Issour, la fonction du marteau c'est construire, donc là il devient Mukhtse. Maintenant, c'est un Mukhtse assez. C'est le cas qui devient Mukhtse. Quand Shabbat il entre, je prévois pas d'utiliser un marteau en théorie. Le marteau il est exclu de l'ensemble des objets que je suis censé utiliser. Dans ce cas-là, je n'aurai pas le droit de déplacer le marteau pour rien. Par contre, puisque c'est un cliché Melarto le Issour, alors j'ai le droit de le déplacer malgré tout dans certaines circonstances. Si c'est le tsorer gufo ou mekomo, par exemple, le tsorer gufo, j'ai besoin de casser une noix de coco, et donc j'en ai besoin, de l'utiliser, ben j'ai le droit d'utiliser le marteau. Par contre, il y a d'autres choses qui ne sont même pas des ustensiles. Il y a mukhtse mahmat risaronkis, mukhtse mahmat isour, klishem l'artole isour, il y a mukhtse mahmat mius, mukhtse mahmat. Il y a toutes sortes de mukhtse, de familles de mukhtse, chacun avec des propriétés différentes. On va prendre un autre cas, du sable. Cette fois-ci, c'est même pas un ustensile, c'est même pas prévu, du sable dans la rue. Je ne l'ai pas prédestiné à quoi que ce soit. Il n'a pas de fonction, ce n'est pas un ustensile, j'ai pas le droit du tout de le déplacer, même si j'en ai besoin. Et il y a comme ça toutes sortes de mukhtse selon des propriétés bien différentes. Et selon la définition, et ça impliquera des lois différentes. Il y a maintenant, dans notre Mishnah, je me concentre maintenant sur notre Mishnah, on va parler de deux, trois notions. Qui est d'une part l'huile qui se trouve dans le nerf, dans la veilleuse que j'utilise. Ça, c'est premièrement l'huile. Et même aussi, on va parler d'une notion qui s'appelle le bassis, le support. Je m'explique. L'huile, pendant que la veilleuse elle est en train de brûler, j'ai pas le droit de toucher cette huile du tout. On avait déjà évoqué qu'on transgresse un interdit de méchabé, d'éteindre, puisque j'écourte la durée de la flamme. J'ai pas le droit de prendre cette huile. Premièrement. Mais même si le nerf s'éteint, j'aurai pas le droit d'utiliser, de me servir de cette huile selon le premier l'avis de Chachamim, l'avis qu'il faut retenir de la Mishnah. Pourquoi? Parce que, puisque maintenant c'était cette huile-là, je l'ai prédestinée à brûler pendant Shabbat, ben dans ce cas-là, hein, je l'ai exclu de l'utiliser de mon cercle, de l'ensemble des choses que je dois utiliser. C'est plus une huile que je vais pouvoir utiliser. Elle exclut. D'accord? De ce fait, la Mishnah va me dire même mieux que ça, tu sais quoi? Donc, d'abord, premièrement, cette huile, elle est interdite à utiliser. Ça veut dire que si ma veilleuse s'éteint, et que finalement j'ai besoin d'huile d'olive pour la manger, j'ai besoin d'huile d'olive pour me graisser les mains, eh ben, je n'aurai pas le droit de l'utiliser parce que cette huile-là, elle est mukhtse, elle a été complètement exclue de l'ensemble des choses que je dois utiliser. Mieux que ça, la Mishnah va commencer à me dire, tu sais quoi, imagine que maintenant tu as ta veilleuse qui a une petite faille, et à cause de ça, ça fait couler de l'huile par terre. Et t'as pas envie que ça te salisse tout.
T'as envie de prendre une, tu veux prendre une assiette pour récupérer cette huile, que ce soit pour l'utiliser ou que ce soit même pour aller la jeter. Peu importe, tu n'auras pas le droit de prendre une assiette pour mettre cette huile en dessous. Pour la mettre en dessous de l'huile pour que l'huile lui tombe dedans. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où l'huile va tomber dans cette assiette, puisque l'huile, tu n'as pas le droit de la déplacer pendant Shabbat, eh bien tu n'auras pas le droit de déplacer l'assiette. Et alors quoi? L'assiette, elle va devenir bassis de Dvar HaAsour. Elle va devenir un support de quelque chose que tu n'as pas le droit de déplacer. Et dans ce cas-là, l'assiette, eh ben, concrètement, tu as fait que tu as supprimé du cercle de l'utilisation l'assiette. C'est-à-dire maintenant, tu ne vas plus pouvoir déplacer cette assiette. Tu avais un ustensile que tu pouvais utiliser, puis maintenant tu l'as fixé à une place qui ne pourra plus bouger de là-bas. Ça ressemble à bonner une chose pareille. Ça s'appelle Mevatel Kli Me'echano. Assur Levatel Kli Me'echano, c'est écrit dans la Mishnah. Tu n'as pas le droit d'utiliser un kli de sa possibilité de l'utiliser. Que après, maintenant tu vas le fixer. Elle va être fixée que tu ne pourras plus la déplacer. D'accord? On fait ça dans les mots. En notnin kli tachataner. La Mishnah nous projette directement, au lieu de nous introduire l'huile que tu n'as pas le droit d'utiliser, après de me dire, même l'assiette dans laquelle va dégouliner l'huile, tu ne pourras plus l'utiliser. La Mishnah me parle directement de sa assiette en me disant, En notnin kli tachataner le kabel boit hachemen. Tu ne mettras pas un ustensile sous la veilleuse pour recevoir l'huile qui dégouline. D'accord? Donc tu as de l'huile qui dégouline pendant Shabbat de ton nerf, tu viens de remarquer ça, tu n'as pas le droit de mettre une assiette là-bas. Comme dit le Barthénois, parce que tu es Mevatel Kli Mehechano, tu vas annuler un ustensile du fait qu'il est prédestiné à être utilisé, tu ne pourras plus l'utiliser. Tu ne pourras plus le déplacer, tu n'as plus le droit de le faire. Ensuite, comme il dit le Barthénois, je continue le Barthénois. Klomar, c'est-à-dire, le Shiv Kli Bemakom Shaloyuchal Odlitelo Misham. Mettre un ustensile à une place où tu ne peux plus le déplacer depuis là-bas. Parce que dans ce cas-là, d'avele kekovealo makom, ou mechabro betit, ça ressemble comme si tu l'as fixé une place et que tu l'as fixé avec du ciment, vedami le melacha. Et ça ressemble à une melacha, à un travail interdit. D'accord? C'était le mot du Barthénora. Maintenant, la Mishnah m'enseigne mieux que ça. Vimnetano mi beodium, moutard maintenant. Si tu as mis cette assiette depuis à l'entrée de Shabbat, avant que Shabbat il entre, tu as à peine commencé à remplir tes bougies, et tu remarques qu'il y a cette petite faille. Tu n'as plus le temps d'aller chercher un autre verre. Donc du coup, tu vas mettre cette assiette. Là, tu avant Shabbat, tu as le droit de mettre. Mais attention. Ve'en tu ne pourras plus tirer profit de cette huile, malgré tout. L'huile, elle va dégouliner dans l'assiette. Mais tu ne pourras plus profiter de cette. Tu ne pourras pas profiter de cette huile. Pourquoi? Les fiches en mochan, parce que c'est pas une huile que tu es censé. Prévue d'utiliser. Donc elle est devenue. Elle est mouktée cette huile. Elle est exclue de l'ensemble des choses que tu es censé utiliser. Autre halakha maintenant. Metatli ner chadash aval lo yashan. Tu as le droit de déplacer une veilleuse nouvelle, mais pas une ancienne. Attention, je m'explique. On parle d'une veilleuse. Le mot ner, en général, je ne sais pas si c'est une règle pour tout, mais en tout cas, le mot ner, ça implique qu'on dit une veilleuse, ce n'est pas la veilleuse qui est allumée. C'est l'ustensile dans lequel on met la veilleuse. Là, la ner chadash, c'est une veilleuse nouvelle, c'est-à-dire une veilleuse, une fiole d'huile, dans une mèche, mais qui n'a pas été allumée pendant Shabbat. Elle n'a jamais été allumée, elle est encore toute propre. Donc, c'est vrai qu'elle est dedans pour le moment, elle est censée être allumée, mais pas forcément. Si toutefois, tu as besoin d'huile d'olive pour ta salade, eh ben, tu vas prendre cette huile d'olive. Tu vas l'utiliser. De ce fait, le ner, la veilleuse qui n'a pas encore été allumée, tu as le droit de la déplacer pendant Shabbat. Parce que même si elle est prédestinée à être allumée, mais pas uniquement, elle est aussi, c'est de l'huile d'olive au final, tu peux aussi l'utiliser pour en faire autre chose, et quelque chose de permis pour la manger. Aval lo yashan, mais si c'est une vieille veilleuse, c'est-à-dire qu'elle a déjà été allumée et qu'il y a des restes dedans, tu ne pourras plus la déplacer. On parle ici d'un ustensile en argile. Et d'une veilleuse en argile. En général, les veilleuses à l'époque, elles étaient en argile. Et je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça devient écœurant ce qui se passe à l'intérieur. L'argile, apparemment, quand ça chauffe, ça prend. J'imagine que c'était de la mauvaise qualité, quoi. Ça pourrit, ça salit énormément l'huile. L'huile, elle est écœurante, elle n'est plus utilisable, elle n'est plus consommable. Donc cette huile-là, elle est devenue mouktée mahmat mi'ous. D'accord? Le Barthénois nous dit. Elle est donc c'est exclu
va dire le mot mouxé, ça veut dire exclu de l'ensemble des choses qui sont utilisées. Mahmat minus, parce qu'elle est écœurante. D'accord? Voilà pour la vie de Tanakama. On en reparlera encore, on en reparlera un petit peu encore dans la suite de la Mishnah, mais pour le moment, on introduit la vie de Rabbi Shimon maintenant. Rabbi Shimon en mer, Rabbi Shimon pense, Kol anerot metaltelin, tu peux déplacer toutes les veilleuses, nouvelles comme anciennes, tu peux faire ce que tu veux, même un nerf qui a été allumé à l'entrée de Shabbat et qui s'est éteint, tu pourras même le déplacer à une seule exception, Chutz mina ner adolek beShabbat, à l'exception du nerf de la veilleuse pendant qu'elle est allumée à Shabbat, que là tu ne pourras plus la déplacer. Et j'explique Rabbi Shimon, je dis sur ça la Gemara ici, elle parle très longuement pour définir exactement qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon. De manière générale, Rabbi Shimon pense qu'il n'y a presque pas d'interdit de mouxé dans la Torah. Bon, mais des rabbanan. Ça n'existe presque pas. Presque tout est permis. À quelques petites exceptions près, notamment ici, le shemen shebaner bizman shaner dolek. L'huile qui est dans la veilleuse, lorsque la veilleuse est encore allumée, c'est-à-dire pendant que la veilleuse est allumée, l'huile qui est dedans, elle est mouxée. Et même si cette huile, elle dégouline, tu ne pourras plus l'utiliser. Pendant que la veilleuse elle est allumée. Parce que pour le moment, c'est mouxé, tu l'as été hukta le mitzvato, tu l'as prédestiné pour en faire sa mitzvah, et à cause de ça, tu ne peux plus, tu l'as exclu de ton sac d'utilisation, d'objet à utiliser. Mais si toutefois, la veilleuse va s'éteindre, tu as le droit d'utiliser l'huile. Même si elle était allumée à l'entrée de Shabbat. Et c'est un très grand chidouche, parce que là, je vous dis très rapidement, il y a une grande règle dans mouxé, que ce qui était mouxé à l'entrée de Shabbat, et bien ça reste mouxé pour tout le reste du Shabbat. C'est fréquent avec le plateau dans lequel on met, imaginez, voilà, j'ai moi les bougies, je les mets sur mon stander. D'accord? C'est là où c'est leur place. Pour les enfants, c'est une bonne hauteur, hein? Je mets sur mon stander. Du coup, à l'entrée de Shabbat, pendant les 2-3 heures que ça brûle, je ne peux pas déplacer le stander. Quand les bougies s'éteignent, ben je n'ai pas le droit de déplacer ensuite mon stander. Même si je vais enlever, même si quelqu'un, par erreur, il va déplacer le plateau, il va le mettre ailleurs. Malgré tout, puisqu'à l'entrée du Shabbat, le stander il était inutilisable, Migo de Itkatsaye beben Hashmashot Itkatsaye bekulayoma. Étant donné que c'est devenu mouktsé à l'entrée du Shabbat, pendant Ben Hashmashot, c'est devenu mouktsé pour tout le reste du Shabbat. Ça, c'est vrai pour la halakha. Mais Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec ça. Selon Rabbi Shimon, ça n'existe pas Migo de Itkatsaye, c'est expliqué dans le Martanor ici. Selon Rabbi Shimon, il y a quelques petites choses qui sont interdites à cause d'un mouktsé, notamment le nerf Bisman Chaner Dolek. La veilleuse, pendant qu'elle est allumée, tu n'as pas le droit de l'utiliser, même l'huile qui pourrait en décliner. Mais dès que la veilleuse s'éteint, tu as le droit de l'utiliser. Tu as le droit d'utiliser toute l'huile pendant Shabbat. Ok? Ça, c'était pour la vie de Rabbi Shimon. Maintenant, autre sujet. Notnin klit achataner le kabel nitsosot. Vous avez une veilleuse, ça arrive des fois. Vous avez utilisé une mauvaise huile, une mauvaise mèche. Et l'huile, et la veilleuse, pendant qu'elle brûle, et ben elle explose un peu. D'accord? Elle fait, si on peut dire, elle pète. Elle fait elle envoie des petits éclats comme ça. Vous avez peur que ça va enflammer, même si ça ne va pas mettre le feu, il n'y a pas de problème depuis Cortefèche, mais même pourquoi. Vous voulez prendre une assiette avec de l'eau, la mettre à côté. Alors, avec ou sans eau, c'est-à-dire, premier cas de la Mishnah, c'est notre ninklit achataner les kabels nitsosot. Tu pourras, si tu veux, amener une assiette et la mettre à côté pour que les petits éclats de feu, comment dire, les petits, j'ai pas de mot, d'accord, les petites étincelles de feu qui vont s'envoler, qu'elles vont tomber sur l'ustensile, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que la Mishnah de la Gemara, elle explique que c'est nitsosot en bo mamash. Elles n'ont rien de concret. Ça arrive pendant une petite seconde, et puis après ça brûle, après il ne reste plus de reste. Donc on n'est plus en train d'annuler, de fixer, il n'y a plus le problème du début de la Mishnah, on ne pourra plus déplacer l'assiette à cause du mouxé qui est rentré dedans. Il n'y a aucun problème parce que cette petite étincelle qui va venir et qui va se poser dessus, elle va se volatiliser presque immédiatement. L'ustensile, vous pourrez le déplacer sans aucun problème ensuite. Donc on a le droit de mettre l'assiette. Par contre, il ne pourra pas mettre dedans de l'eau. Pourquoi? Parce que là, il va l'éteindre. Il va faire que lorsque la petite étincelle va arriver, elle va tomber dans l'eau, elle va s'éteindre tout de suite. Là, tu provoques l'extinction du feu pendant Shabbat. Ça soupe, mais des rabananes, c'est qu'un gramma. Mais malgré tout, c'est quand même interdit, tu n'as pas le droit de le faire. Mais mettre une assiette vide, de manière à ce que ça va protéger le meuble, par exemple, et que ça va donc tomber dans l'assiette,
n'y a pas de problème, parce que tu éteins pas l'étincelle, et tu vas pas, et après tu pourras continuer à déplacer ton assiette sans aucun problème. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov.